Mesdames et messieurs, chers amis bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je suis content de vous retrouver en ce dimanche matin, pour vous souhaiter le bonjour. Et vous êtes branchés à l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 6h à 7h30 du matin. À tous nos chers amis qui sont déjà branchés sur les réseaux, nous vous souhaitons le bonjour avec l'heure de la délivrance. Nous sommes au début de la semaine, au début d'une nouvelle semaine. Et nous disons merci à notre Dieu pour le doux réveil. Pour le doux réveil, nous étions comme des morts, plongés dans nos sommeils au cours de la nuit. Et ce matin, nous nous sommes réveillés, frais et dispos, pour passer notre moment au pied du maître et pour consacrer les premières heures de la journée à notre Créateur. Donc à toutes amies qui déjà branchées, quel que soit réseau que WAP suive nous, donc quel que soit côté courrier, nous souhaitons le bonjour et nous déjà souhaiterions bonne semaine dans les bras de Jésus. Et pour débuter le programme de ce matin, nous avons invité côté que nous avons chanté ensemble au numéro 27 des hymnes et louanges, Adorons le roi. Le roi glorieux. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux.
son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons en cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans. C'est un tendre père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers, sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur. En Christ, il veut être notre rédempteur. Ses compassions passent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs achetés. Et comme les anges, disons ses bontés. Et maintenant, mesdames, messieurs, m'a invité à lire ensemble le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils se lèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Et maintenant, mesdames et messieurs, quel que soit à côté que vous trouvez ou en ce moment, que ce soit à la maison, encore au lit ou au travail ou à travers les rues, retournant à la maison ou allant au travail, nous demandons pour que vous capable prendre position pour la prière. Et ce matin, puisque celui qui était désigné pour la prière n'est pas présent, nous demandons à la sœur Nicole Saint-Just qui va présenter et le vigile matinal, il est capable de faire prière d'ouverture pour nous. Prions le Seigneur. Amen. Papa, nous qui sommes celles-là, bon étant de cœur céleste, nous remercions, nous rendons au même hommage, adoration, honneur, empire, pouvoir, sagesse, à nous-mêmes et à nous-mêmes, Seigneur. Nous vous disons merci pour nous clans que nous passions en bien, alors que nous étions couchés sur une table dormie,
nous pas te connaître un monde qui a passé en nous et autour de nous. Mais c'est un amour infini où tu gardes nous, tu veux en joie nos chevets. Et c'est tout naturellement nous lever, nous le matin, tout le monde nous a fonctionné. Nous disons gloire au même pour ça, Seigneur. Combien de monde a couché la caille au Seigneur, côté au pensé en toute sécurité, mais au coup de la nuit, on va aller passer. Seigneur, combien de monde, papa, qui est dans la nuit, qui a dormi, mais pas même, Seigneur, le matin. Mais nous-mêmes, oh, mon cadet, jusqu'ici, Seigneur, nous a secouru. C'est au seul qui a fait ça pour nous. C'est au même seul, Seigneur, qui a accompli ce miracle de réveil dans nous-mêmes. Éternel, nous pas gagner une bouche pour nous parler. C'est ça qui fait. On est bien tout côté, nous décalons. On est bien tout seul, nous décalons le matin, nous rassemblons. Pour te que Seigneur n'a pas au gloire, hommage, louange, que même seul mérité. Seigneur, n'a pas le temps pour papa. On va prendre contre Dieu, il y en a pour nous, Seigneur. Alors que nous soulignons ça, peut-être que nous avons les premières minutes, secondes dans la vie, nous voulons assurer que Dieu est bon et profitable pour nous. Nous connaissons que Dieu est bon, parce que c'est à vous même de devenir. Parce que c'est même ce qui est garanti, nous, il y a tout ça qui est bon. Donc, on s'arrive chaque point qui est abonné, soulignons l'heure de la délivrance, Seigneur. Quand il a cherché un bagage, tout le monde se cabaille. On a pas le temps pour papa. On va pas avec nous. On va permettre que c'est ça qui a cherché. On va pas venir. Et en retour, seul, on va glorifier. C'est le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour pasteur. Hein, que vous permettez qui a la tête pour le temps, Seigneur. Qui a conduit nous, qui a abonné, Seigneur, en papa, toutes sortes de soucis que nous avons besoin pour nous capables de vivre. Dans un moment troublant, difficile, ça. N'a pas le temps pour papa, qu'on va avec lui, qu'on va bénir lui, qu'on va protéger lui, non seulement lui-même, mais famille, Seigneur. Parce que grâce à lui, qu'on a vu à travers de lui-même, lui-même aussi est capable de jouer aussi. Et c'est comme ça, Seigneur, il est capable toujours, en mesure, capable, Seigneur, qu'on joue peuple, ça, qu'on va balayer pour grandir pour vous, Seigneur, pour lui mener pour vous à bon port. Encore une fois, bénis-nous. Pardonnez que chez nous, Dieu, Jésus, nous prions constamment, nous pas bon, nous pas dit, nous pas dit, mais nous prions dans le nom de Jésus, à lui seul, sans la gloire, dans le ténèbre pour l'éternité. Amen. 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 Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 6h à 7h30 du matin. Moi, je voulais remercier toutes frères et sœurs qui sont toujours prêts lorsque nous avons besoin de service. Parce que, comme nous connaissons, pas qu'à faire tout bagaille pour compte moi. Donc, nous remercier pour disponibilité à chaque fois que nous avons besoin, nous en panne. Donc, vous êtes toujours là pour que vous suppliez. Bien, mesdames et messieurs, à toutes les amis qui à peine monté sur les réseaux, nous souhaitons le bonjour en ce dimanche matin 1er août et au branché à l'heure de la délivrance. Juste avant que nous passions dans le vigile matinal qui pourra le présenter par notre bien-aimée sœur Nicole Saint-Just. Donc, chanter ensemble notre chantème. À ton école, divin maître, nous sommes venus nous former. À ton école, divin maître, nous sommes venus nous former. Enseigne-nous à te connaître, toi-même apprends-nous à t'aimer. Avec vous, le vigile matinal avec notre sœur Nicole. Amen. Je dis bonjour à tout le monde qui nous a branché sur les réseaux. Côté que nous viennent offrir net noir. Un an juillet, et nous sommes certains que bon Dieu est avec nous. Nous avons de tout le monde qui apprend bien, capable de suivre avec attention la lecture, afin que nous puissions tirer le maximum de profit. Je viens, c'est le 1er août, et le TV National, non, il dit comme ça, tu récolteras ce que tu auras semé. Je viens, c'est dimanche 1er août, et TV National, là, tu récolteras ce que tu auras semé.
n'a plus verset, nous avons pensé de lui. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Philippiens 1, verset 1. À tout premier, Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Ces paroles de l'apôtre Paul que nous venons dans Philippiens 1, verset 1. N'a fait lecture là. Paul a écrit l'épître aux Philippiens à Rome pendant son premier emprisonnement. Cette lettre était destinée aux chrétiens de Philippe, une ville de Macédoine. Elle a rempli de conseils spirituels. Elle est remplie de conseils spirituels donnés par un ami à ses amis. Paul raconte aux Philippiens son emprisonnement, les progrès de l'Évangile à Rome et les tentatives de ses adversaires pour le déstabiliser en s'opposant à lui. Il a également écrit sur la paix intérieure et la joie éprouvée de les afflictions. Au chapitre 1, l'apôtre exprime sa gratitude envers Dieu et son amour pour les Philippiens. Et puis, afin qu'ils croissent dans la grâce et de la connaissance de Dieu et décrit les résultats positifs de son séjour à Rome. Quelle merveille de savoir que Dieu est capable d'utiliser les épreuves pour favoriser la croissance des gens. Ainsi, l'apôtre fait une déclaration puissante. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est gain. Philippiens 1, verset 21. Cela montre bien qu'il est prêt à glorifier le Christ de la vie ou de la mort. D'autre part, il encourage le maintien de l'unité en Christ et dans l'Église en évitant de se laisser intimider par la persécution. Nous traversons toutes les difficultés, certains abandonnent face aux défis. Tandis que d'autres périssent, se rapprochent de Dieu et se fortifient. On a fait très bien pour avoir une explication. Tu te l'as comme dit, tu récoltes ce que tu as semé. Eh bien, il nous voit que c'est Paul à Timothée. Comme nous connaissons Paul, c'était le compagnon de voyage, Timothée. Tantôt, parfois, ils ont toujours voyagé ensemble. Parfois, un Paul, comme par là, il va juste Timothée dans la zone, Paul dans la zone, et toujours a écrit à Timothée pour demander comment que les chrétiens, comment peut plaire, et toujours a pas le conseil. Il dit, non, Paul, l'épître aux Philippiens, il dit, on parlait de l'emprisonnement à Rome. Et il te dit comment qu'il était emprisonné dans une ville à Macédoine. Et malgré emprisonné, Paul était toujours rempli de conseils spirituels qui étaient voués à plus de bâtiments, qui étaient voués par le peuple côté de la Bible. Mais si nous malgré emprisonné, ça va permettre que l'évangile n'a pas progressé, n'a pas été travaillé. Malgré qu'il a fait un pile plan pour déstabiliser parce qu'il était opposé lui-même. Mais si nous, Paul qui a écrit, il a parlé de la joie qu'il gagnait intérieurement malgré les afflictions. Donc, imaginez ça, on est en prison, oui, au lieu de côté qu'il a de décourager, au contraire, alors que pour l'emprisonner, nous voyons que à tant qu'il a prêché, il a prêché la voie des paroles d'encouragement tant à Timothée, tant au peuple de Philippe. Dans le chapitre 1, Paul était exprimé, selon les Philippiens, un gratitude envers mon Dieu et un bonheur pour les Philippiens. Et voilà, ça nous connaît pendant ces jours à Rome, c'était des choses positives seulement qu'il a parlé. C'est un bonheur pour nous connaître que mon Dieu est capable d'utiliser des épreuves pour être capable et de croître, même lorsque on a un problème. Parfois,
que tu as un problème avec Dieu parce que nous avons un bon Dieu pour nous. Au contraire, pour toi, c'était différent malgré le problème, mais il connaît que bon Dieu a utilisé le problème pour faire que tu grandis spirituellement. Il dit, pour malgré tout problème qu'il a, il dit, il voulait même la vie, Christ s'est venu et la mort est en gain pour lui. Il dit, même lorsque ça a mouru, il vient pour glorifier bon Dieu dans la vie. Et il peut encourager tout le monde qui est capable de mettre l'unité qui vient en Christ, pas quitter nous intimider par la persécution. Il dit, il y a des gens dans la persécution, ils ont abandonné face au défi. Des gens dans la persécution, ils ont péri. Mais cependant, des gens dans la persécution, au contraire, la couché de Dieu. Et c'était le cas de l'apôtre Paul, malgré qu'il n'y a plus de problème qu'à persécuter, mais ça peut être de l'approcher de Dieu. Parce que ça avait dit que, oui, on a connu d'ailleurs, à bon bâton, persécution dans toute forme. On a continué. Et vous, comment réagissez-vous face au problème? Je pose une question à nous-mêmes. Comment que nous agissons lorsque nous avons des problèmes? Les jours de nos pionniers sur les terres sud-américaines ont été difficiles et éprouvants. Un jour, Francis Westphal, le premier pasteur adventiste de ce bout du continent, en arrivant au point de ne plus avoir de quoi nourrir sa famille. Cet hiver-là, à Crespo, en Argentine, fut froid, pluvieux et interminable. Le frère contracté sentit que la nourriture pouvait manquer dans la famille du pasteur. Il chargea donc son chariot russe de pommes de terre, de choux, d'œufs et d'autres aliments et se rendit à la maison de Westphal. Il y fut reçu par Saul, leur fils de 12 ans, qui en pleurant comprit que son arrivée était la réponse de Dieu à leur prière parce qu'ils n'avaient rien à manger. De nombreuses années passèrent et Charles devint le directeur du sanatorium adventiste de Rivière Plate. Une autre nuit froide, il dut recevoir en tant que professionnel un petit vieux malade et frêle. C'était Conrad Crick, celui-là même qu'il avait nourri des décennies auparavant. Charles lui proposa un logement et une assistance médicale gratuite jusqu'à la fin de ses jours. Faites attention à ce que vous faites. Par tôt ou tard, vous récolterez ce que vous avez semé. Des choses que j'apprends en temps de lecture. Je pose une question de comment nous réagissons face à ce problème. Nous disons un jour, en terre sud-américaine, il y a plus de difficultés. Et un jour, il y a une expérience de monsieur que le Francis Westphal, c'était un premier pasteur adventiste en continent ça. Il était arrivé qu'il va bien assez de manger, de nourriture, en époque, rien du tout pour être capable de nourrir la famille. Et dans la zone ça, à Crespo, en Argentine, il était fait froid, il a fait la pluie qui va bien qu'il a fini. Et un jour, il y a un fond qui est contracté, il était senti que moi, acheter ça, il y a des problèmes, il n'y a pas bien assez de nourriture pour tes bâches familiales. Et ça le fait, il charge beaucoup, charge avec pommes de terre, choux, œufs, toutes sortes de bagages qu'il est capable de faire. Et il arrive à la caille en monsieur. Et lorsque il arrive à la porte, c'est une petite Charles, petit monsieur, en acheter ça, on va sur les 12 ans, avec couleur aux yeux, au visage. Que lui, ouais, que vous, comment vous dites, nous prenons la prière, il est content, il est content. Et c'est comme ça, en étranger, ça, ou du moins, en bout de réserve, il y avait M. Sarah, il est capable de nourrir son pasteur. Et au dimanche, plus l'année passée, mais pasteur Sarah qui est tout venu, mais M. Sarah qui était nourri en famille, ça, il trouvait que lui balade, lorsque Marie qui côté la réfugiée, il était dans à sanatorium adventiste, c'est-à-dire qu'il y a un hôpital, côté que même nous, ça a été nourri, c'est lui-même qui dit le cœur en sorte ça. Eh bien, c'est comme ça que M. Valim, lorsque lui a malade la ville de Rome, il était au cours des tri, et c'est comme ça que M. Valim, M. Valim, il nourrit, et les patrons qui lui payaient, ils ont payé pendant ces jours qu'il s'est passé
dans l'hôpital, ou même dans le centre. Mais sinon, fais attention à certaines affaires. Car tôt ou tard, la récolte, ça peut nous semer. Et de cela, c'est là. Et puis, la récolte, ça nous semer. Et si nous avons pensé que si il passe ça, dans la difficulté, ça a dit, monsieur, ça a été pas fait par égard à lui-même, il n'est pas aller en partager avec lui, ça qu'il veut dire. Peut-être, les lits de l'hôpital, là, il n'est pas recevoir soin, ça. Peut-être, il n'est pas capable de jouer, attention ça. Mais à cause, puisque il était assisté, famille pasteur là, et mes jours dans la difficulté, il était recevoir les biens, et il te permet qu'il était capable de jouer soin sans rien payer. C'est ça que fait ton action, nous dire pour nous devoir, nous faire attention à ça que nous fait dans la vie, que ce soit pour chez nous, que ce soit à la caille, à l'église, dans la dimension, parce que nous ne pas jamais connaître. Ça que nous faisons aujourd'hui, demain, c'est le même que nous allons récolter. Donc, conseil, nous disons pour nous matin, agis bien envers nos semblables et demain, nous allons récolter ce qui est bon. Amen, amen. Nous disons merci à notre bien-aimé sœur Nicole Saint-Just pour le vigile matinal. Et mes amis, nous avons résumé pour vous la leçon du jour. La leçon du jour, comme vous connaissez, nous avons à peine débuté une nouvelle semaine. N'a pas étudié une nouvelle leçon et c'est la leçon 6 qui gagne pour titre Trouver le repos dans les liens familiaux. Trouver le repos dans les liens familiaux. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 17 et 18, il est dit: Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous apprenons le verset de mémoire en 2 Pierre, chapitre 3, 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais bien-aimés, trouvez le repos dans les liens familiaux. L'auteur leçon 1, il fait nous connaître, il raconte nous bien, d'une façon très bien, l'histoire de Joseph et de ses frères. Côté que Joseph, il était appelé à chercher frère Lio. Il a cherché frère Lio et l'a approché devant Lio. Vous connaissez l'histoire. Frère Lio a eu un plan pour lui. Il a eu un plan malfaisant pour qu'il soit capable de faire du mal. Parce qu'il était jaloux contre Joseph. Yo te gen yon problème avec Joseph. Et nous, ouais, c'est ainsi que plan t'a formé. Et genyen yon frère Ruben. Ruben qui dit frère yo, eh ben, m'pas quoi que li bon pour que nous capable tuer monsieur, en nous jeter dans yon puits. Te gon siten, yo lagé Joseph, yo fait plan, yo lagé Joseph dans siten nan. Et lorsque yo lagé Joseph dans siten nan te vide d'après ça qui d'après l'histoire siten nan pa te gen de l'eau là-dedans donc Joseph li pa mouri li pa étranglé donc gen l'autre frère encore Judas bayon l'autre plan li dit monsieur pour qui ça nous pas retirer nan puyan et nous capable vendre à moun qui parle en Égypte. Donc comme ça nous capable faire un monnaie, nous capable faire un cob sous tête li. Et c'est ainsi que yo tout yo d'accord avec plan, yo retiré Joseph nan puyan. Et yo vend ni à des passants qui pral en Égypte. Maintenant, bien-aimé, nous voyons que lorsque yo vend Joseph à passants qui pral en Égypte et nous va voir ça dans reste leçon yo, nous va voir côté que Joseph yo vend ni deux fois.
Moun ki tabral an Egypt yo, yo fè an lot kob, yo vann Joseph a Potifar. E a Potifar. Maintenant, bien-aimé, yo parle de relations dysfonctionnelles. Gen an pil moun, yo toujou parle de fami yo. Y a parle de sa ka pase la kay yo, men se sa ki bien yo chwazi pou yo rakonte a moun. Sepanan gon paket bagay ki kache, ki led, ki imoral, ki kache, yo pa pale de pati sa yo. Donk nou wè ke fami Joseph li te non fami disfonksyonel. Sa ave di yon fami ki deteryore, yon fami ki pa fe sa ki bien, yon fami kote ke gen divizyon, yon fami kote ke maman, papa, pa ka viv, ti moun yo ap goume antre yo. Se sa ke nou rele yon fami disfonksyonel. Donk, a traver le son ke nou ap etudye nan tout semen nan, nou va wè vreman ki jan ke ou kapab trouve le repo loske ou fè parti de yon fami ki disfonksyonel. Nan jounen jodi an ki dimanche 1er out, e ben, tit nan se disfonksyonman a la mezon. Disfonksyonman a la mezon nan dimanche 1er out nan. Sa ke nou kapab kompran, mè bien eme, mwen te bo yon aperçu nan introduksyon le son an. Kon ya nou pral antre dan le son menm. Disfonksyonman nan mezon an. Joseph, mè bien eme, jan kem dzo, li te ap grandi nan fami ki te disfonksyonel. Kote ke te gen bagay ki tap fet ki pat sa. Te gen mensonj. Joseph tap viv nan fami ki te gen mensonj. Nan fami kote ke yon ap trompe lot. Nan fami kote ke te gen jalouzi. Frè yo leve kont lot frè. E ben, sa komanse zanmim, se pa nan mezon Jacob sa komanse. Disfonksyonman sa pa komanse pa pran nesans nan mezon Jacob kote Joseph tap gandi. Disfonksyonman sa li komanse li soti depi nan gran 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 paran, gran gran pè Joseph, gran 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 mè Joseph. Se sa k fè zanmim. Non fami, loske ou wè gon problem, e ben ou bezon pou al fouye zo nan kalalo pou ke ou kapab monte bien loin nan rasin fami nan, pou ke ou wè eske pat gen problem sa deja. Lorsk ou gon ti moun kap grandi, ou wè ti moun sa li ap fè seten aksyon, ou wè ti moun sa ou etone, ou wè ki jan ti moun sa komportel, e ben, ou bezon pou monte bien wò nan rasin fami nan, pou ke wè eske pat gon moun nan fami nan, gran gran pè, gran gran mèr, nan gran tante, gran tonton, eske se pa la ti moun sa pran bagay nan. E ben, ou kapab wè ke depi sou Abraham avèk Sara, foye yo te disfonksyonel. Paske wè kote ke Abraham li ale pran yon lot fam, kote ke sou dikte madame ni mèm, pa ankourajman madame ni, Sara pa ka fè pitit, e yo te bezwen pou yo devanse bon Diyo, pou yo ede bon Diyo nan plan bon Diyo te ba yo, nan promes bon Diyo te fè a yo, yo te bezwen pou yo ede bon Diyo. Zanmim, pa jamè kompran ko pral ese ede bon Diyo. Le bon Diyo djou yon bagay, se oui, amen. Ou bezwen pou rete tan akomplisman sa bon Diyo djou nan. E nou wè kote ke Sara te ofri, te ankouraje Abraham pou l tal fè pitit, pou l tal kouche, gen relasyon avèk Agar, ki te yon servant. E nou wè ke sa vin mette problem nan foye yon, paske Ismael vin fèt. E le Ismael vin fèt, Agar kon ya wè ke li fè pitit, on son servant liye, kon ya li komanse ap bay Sara, ap meprize Sara, komanse a pe a pe ou pa respekte Sara, e Sara li menm li fache, a me de blouzay pete. Ou kapab wè kote ke Abraham pa gen le chwa, an de okasyon yo oblije mete Agar de yo, mete Ismael de yo, paske fami nan vin gen problem, fami disfonksyonel. E ben nou wè ke non selman sa,
Abraham, ou konen kote Abraham li fè manti, fè mensonj. E Isarak vin fèt. Isarak fè mèm bagay nan. Isarak fè mensonj. Ou wè kote ke Isarak li gen problèm. E Rebecca kote ke Rebecca range avec Rebecca range pour que le capable permettre que Jacob capable tromper papa li pour que le prend droit de naissance nan. C'est ton famille problème. On famille problème, on famille dysfonctionnelle. Ça veut dire les frères Joseph yo mené monter plan ça contre Joseph pour tuer Joseph, yo fait mensonge, un même bagage nan sorti depuis nan Abraham. Et ça que n'a pas l'eau, y a un dysfonctionnement à la maison. Zanmim, nous capables comprendre que t'es gain un pile problème, rivalité, mettez pied avec Madame Jacobio, un pile problème. Côté que Léa gain problème, Léa fait petite, côté que l'autre femme a fait petite, rivalité entre Madame Yo. Cela veut dire son famille problème. En famille problème. Donc nous capables, ouais, mes bien-aimés, que ça qui vient arriver depuis sous Abraham, nous citer l'islam pour vous, famille n'a gain problème. Yo font pile bagay qui pas bon devant Dieu, bon Dieu. Yo pas de gain un exemple vraiment que yo te kabaye. Cependant, chose bizarre, ça que nous pas qu'à comprendre, qui j'en fais ces hommes-là, Abraham, Jacob, Isaac, maintenant, il fait partie des héros de la foi. Selon Hébreux chapitre 11, 17, 22, nous voyons que ils sont appelés les héros de la foi. Eh bien, gombagay pour que nous apprenions là dans le son, en même. Pas gagne un monde qui est parfait. Pas gagne un homme qui est parfait. Bon Dieu appelé des pécheurs pour capable faire travail lui. Et nous ouais malgré instabilité qui te gagne, la caille et héros sa yo, patria sa yo, depuis Abraham. Nous voyons que malgré que yo pas gagné qui yo fait qui bien, yo désobéit bon Dieu. Cependant, bon Dieu servit avec yo. Bon Dieu utilisé yo. Et pour qui raison que yo appelé les héros de la foi, c'est pas parce que yo t'es parfait. Mais c'est parce que yo t'ai toujours fait confiance à bon Dieu. C'est parce que yo t'ai toujours dépendre de bon Dieu. Yo t'ai toujours gain l'amour pour bon Dieu. C'est ça que bon Dieu a cherché dans moi-même avec vous. Moi-même avec vous, non pas bon. Cependant, bon Dieu remet nous. Bon Dieu connaît cœur nous. Il connaît lorsque nous dépendons de lui-même. Il connaît lorsque nous faisons effort pour nous rester fidèles à lui-même. Malheureusement, puisque nature nous pécheresse, assez souvent nous tomber, nous faisons ça que nous pas doué faire. Mais le fait que nous faisons ça que nous pas doué faire, ça pas veut dire que bon Dieu les rejeter nous, avec condition que nous reconnaître erreur nous yo, nous reconnaître péché nous yo, nous reconnaître problème nous, et bon Dieu les a recevoir nous à deux bras. Gen an pil moun jodi an, lorsque yo gen an petit yo qui font bagay qui pas bon. Yo senti que yo embarrassé, gena yo ki même abandonné ti moun nan. C'est un coup qu'on est comme si yo pi bon passé ti moun nan. Et puis yo pa même rendu yo compte pour yo aller bien loin gens que m'dou nan famille nan. Pour que yo wè ki kote ti moun nan prend mes ça, ki kote ti moun nan prend défaut ça. Eh ben li prend nan famille nan, bien loin, au soir la kayo. Avait dit ou pa de pour senti que ou honte ou embarrassé ou gêné. Lorsque ti moun a commet yon erreur, li font bagay ki pa bon ki sale. Même Jean bon Dieu, à chaque fois que nous faisons bagay ki sale, bon Dieu toujours ouvre bras li pour que le pardonne nous, recevoir nous. Et malgré dysfonctionnement nous, li servi avec nous. Et bien nous même tout, nous besoin pour nous agir de même envers ti moun yo lorsque yo fait un bagay ki pa plaît nous, ki pa plaît société. Et même dysfonctionnement à la maison. C'est ça que nous avons étudié
pour journée jeudi dimanche 1er août non moi juste bon yon petit coup de résumé eh ben on capable lire Genèse 34 on capable lire Hébreux 11 et puis on va comprendre bien tout ça que moi ba ou là et mes amis nous t'app étudier leçon 6 qui gain pour titre trouver le repos dans les liens familiaux selon le verset à réciter dans 2 Pierre 3 17 et 18, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et maintenant, mesdames et messieurs, juste avant que nous passer dans la lecture du jour, la lecture de la Bible, côté que nous avons exploré le livre de Matthieu, m'a invité à auditionner ce morceau instrumental, Brillante étoile, l'étoile du matin. Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 6h à 7h30 du matin. À toutes amies qui à peine joignent nous sur réseau yo, nous souhaitons le bonjour, nous souhaitons bon dimanche et nous contents que vous branchez à l'heure de la délivrance. Nous espérons que vous capacitez tirer ce moment avec nous dans pied maintenant. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici la lecture du jour de la Bible. Nous sommes au livre de Matthieu et ce matin, nous arrivons dans le chapitre 7, non? Côté que lui dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et que l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère
et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas de vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, le septième chapitre du livre de Matthieu. Encore, mesdames et messieurs, nous avons continué les principes du royaume. Enseignement que Jésus-Christ baille à disciples, à foule, sous montagne. Vous capable comprendre que dans le sermon, ça, dans le discours, Jésus-Christ n'a pas fait partie pris, n'a pas épargné en rien. Il dit tout ça que il doit dire pour que le capable aider peuple à prendre conscience. Même j'en entends Jésus en te gon paquet hypocrite. Même j'en entends Jésus
gon paquet moun ki pa reconnaît bon bagay, yo pa kont bon bagay. Lorsque gon moun nan mitan yo kap ede, yo kap fè bon bagay, yo méprisé moun nan, yo rejeté moun nan, yo vle détruit moun nan, yo pa kont bon bagay. C'est ça Jésus-Christ te di yo. Ou pa ka pran bagay ki sain pou jete l devan chien. Yo pa comprendre ça lié. Il dit ou pa ka pran pèl pou la gueule devan cochon. Cochon c'est grain ni kon manje. Lè l wè pèl nan, il pa konn sa lié. L'a krasé l'an bas pied. Et ben nous besoin pour que nous capable apprendre nan enseignement Jésus yo. Parce que gen an pil moun ki pense que lorsque on exhortation fait, exhortation dit, yo pense que son problème. Non. Gen moment krive, il faut qu'on parle dur. Pour que ou aide peuple nan comprendre. Jésus-Christ dit, nous besoin pour que nous capable apprendre, pour nous suspendre juger moun. Suspendre juger moun, suspendre porter jugement. L'homme toujours tout prêt pour passer jugement, pour faire jugement. Et mais bon Dieu, même mesure utilisée hein, pour mesurer, hein, c'est même mesure ça pral mesurer auto. Et ça comme toujours dit tout le monde, lorsque on moun a porter jugement, a critiquer, on l'autre moun devant ou, moun n'a critiqué on l'autre moun avec ou, prend précaution parce que même moun ça k'ap critiquer on moun devant ou même wap danser dans bagay nan. Ou danse ou content ou entre là-dedans. Et mais c'est même moun sa qui pral critique ou tout. Donc, prends précaution, zanmim. M'espère que nous capables apprendre de principe Jésus. Parce que c'est au même cap formé nous pour que nous capables entrer dans le royaume. Nan m'ta dit plus, mais l'homme fini. A bon entendeur, salut. Et maintenant, mes bien-aimés, pour que nous capables entrer dans une petite zone de réflexion, côté que. Nous avons besoin pour que nous soyons capables de confesser nos péchés à l'Éternel parce que nous n'avons pas gagné nos qui bon qui propre. Donc, pour que nous soyons capables d'accepter le service que nous avons offert, nous avons besoin pour que nous soyons capables de confesser nous. Et pour que nous fassions ça, je vous invite à côté que nous avons chanté au numéro 252. Viens à Jésus, il t'appelle encore aujourd'hui. Viens à Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime, Jésus t'aime aujourd'hui. Malgré ta misère extrême, aujourd'hui viens à lui. Il pardonne, aujourd'hui. Reçois le salut qu'il donne, aujourd'hui viens à lui. Il efface tes péchés aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce, aujourd'hui sois à lui. Et maintenant, mes bien-aimés, m'invitons à lire ensemble le psaume 38. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Quand mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé et abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi.
Et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité. Ma force m'abandonne. Et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie. Et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et me disent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet. Qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux, ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens, hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Amen. Et maintenant, mesdames et messieurs, juste avant que nous passions dans la prière de confession qui sera faite par notre bien-aimé frère Colvin Saint-Fleur, m'a invité à chanter ensemble un couplet du numéro 268, « Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. » Par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Prions. Amen. Le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te remercions, Père, pour la nuit que nous permettons de traverser en bien, nous dormir et nous réveiller par intermédiaire au Seigneur et nous disons merci. Nous disons merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix qui va nous accès devant le trône de la grâce. Pour nous capables d'humilier nous, pour nous capables de chercher présence dans la vie, nous, Seigneur, dans la vie. Nous, nous remercions pour le premier jour dans la semaine, à l'aube du jour, où invitez-nous pour nous capables de venir chercher présence et pour nous réclamer de toi le pardon de nos péchés. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous sommes conscients de notre étreinte, du péché qui est en nous chaque jour. Nous t'en supplions pour l'amour de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom de nous pardonner, de nous laver, de nous blanchir dans le sang de Jésus. C'est toi-même qui nous invite. Venons et plaidons, dit l'Éternel. Si péché nous rouge comme cramoisi, ou disposé pour capable blanchir,
ou pardonnez-nous, ou lavez-nous avec les autres, il nous aura plus blanc et plus blanc que la neige. Et que vous êtes capable, à profil, pardonnez-nous, capable, on va purifier nos linges, purifier et on prend plaisir à te servir. Nous demandons papa à matin pour capable pardonner nous. Pour ne pas regarder à nos forfaits, à nos péchés, mais regarde le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous revenons après avoir nous pardonné, nous demandons au Seigneur pour capable sceller nous pour le grand jour de son avènement. On va avoir nous le Saint-Esprit. On va avoir nos puissances qui est en nous-mêmes. On va faire nous marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. On va aider le Seigneur à remporter une victoire sur nos mauvais traits de caractère. On fait passer devant nous. On va nous leçon morale matin. Dans Matthieu 7, on fait passer devant nous la vie de les frères de Joseph. Tout ça, c'est pour aider nous dans le fonctionnement, nous, comment nous marchons avec le Seigneur. Demandons à matin pour capable nous Saint-Esprit. Pas quitter nous vides, pas quitter nous marcher jeunes, nous aimer. Ben nous Saint-Esprit qui parle. Capable d'aider nous à remporter victoire sur le péché, victoire sur le mauvais trait de caractère. Et ainsi, Seigneur, nous va vivre un homme nouveau en Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour tout le monde qui vous fait lever matin, parce que vous veillez, ça c'est vous-même qui faites, Seigneur. Vous êtes tombé dans le profond sommeil de la mort. Mais ou ressusciter nous, ou faire nous de la vie en nous, nous remercions pour la vie ou conserver en nous. Nous remercions pour l'air de la délivrance que ou inspirez pasteur pour mettre sous pied dans un moment qui est très crucial. Alors que nous par contre ça pour nous faire et nous avons fait avec peut-être nous. Mais nous laisser tomber entre tes mains et on va faire pour nous ce qui est bon, qui est agréable, qui est juste pour notre vie. Non seulement pour notre vie ici-bas, mais pour notre vie là-haut. On va avec pasteur Jean-Michel et sa famille, sa femme, ses enfants, il y a rien fait des enfants. On va pardonner péché et nous sommes capables d'inscrire dans les livres de vie. Il permet que récompense au vainqueur de pasteur Jean-Michel et sa famille qui va trouver au nom des vainqueurs et pour vivre avec nous dans les âges sans fin de l'éternité. On va avec nous-mêmes, Seigneur, que imitez-nous dans le moment que nous sommes capables de chercher où. Faire que nous permet que nous sommes capables de chercher où, nous sommes capables de trouver où. Nous allons chercher de tout notre cœur. On va pardonner péché nous aussi. On va pardonner péché famille nous. Péché petit nous. Toutes les chrétiens qui séminaient à travers la terre entière, notamment les trois églises sœurs, Bethesda, Bethel, Morija, permettez-nous capables de faire des efforts pour nous capables de monter sous l'Isa. Et pour nous attendre des méditations, paroles, ou avouer, ben nous, par le touchement de ton serviteur, il nous a pas fait des bonnes provisions pour rater ton avènement. Tout ici-bas, passager, éphémère, seul toi demeure éternellement. Donne-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de bonnes provisions pour que nous soyons capables de marcher avec vous dans les beaux jours comme dans les mauvais jours. Et au grand jour de ton avènement, que nous tous, chrétiens de trois églises, et notre sœur, notre autre église, tout le monde qui sont aux ressources libres, qui attendent la voix de Jésus, parler dans le cœur, nous capables de faire
changement capable, bon changement capable opérer dans la vie nous, et nous capable de nous faire créature en Jésus. C'est pour nous au-delà de nos demandes. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités sans nom. Fais, Seigneur, que nous capables de prendre la route avec persévérance, de laisser tout ça qui part, qui au contraire a ta sainte volonté, et nous va marcher avec vous. Seigneur, nous demandons bagaille matin que nous demandons. Pandémie là fait rage. Seigneur, bonne-nous les yeux de l'esprit. Fait que les nous pour parler, nous tendez, et nous capables de parler avec vous. Remettre-nous tout entier à vous-même. Et permettre-nous de capables cacher nous dans la paume. Non pas pour vous, et puis nous capables pour nous ombre et nous capables de garder par nous-mêmes et par nous seuls. Nous prions pour tout le monde qui travaille à l'hôpital, tout le monde qui travaille, tout le monde qui sorti. Seigneur, comme on dit dans la parole, ou gardez-nous détourner pour notre pas et ton arrivé. Couvrez-nous, Seigneur, couvrez pasteur encore une fois. Bénis-nous, esprit de pasteur, par le Saint-Esprit, et que parole que la dit. Conseil la baille nous, et nous capables de mettre en pratique, et pour nous capables de préparer nous pour les grands que nous avons avec nous. Fait pour nous, au-delà de nos demandes, bénis la semaine qui s'ouvre devant nous, nous ne savons pas ce qu'elle enfantera. Mais toi, tu es le pourvoyeur, couvre-nous, cache-nous sous tes plumes paternelles, nous te réclamons toutes ces grâces et ces faveurs, au nom de Jésus, et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 6h à 7h30 du matin. Mes chers amis bien-aimés, pour votre protection, pour la protection des membres de votre famille, pour la protection de vos prochains, pas oublier que nous vivons encore dans la pandémie. Et pandémie en l'ap fait rage, ou besoin pour que vous capable continuer garder masse, porter masse ou tout côté courrier. Et continuer pour que vous capable laver main ou, régulièrement, laver main ou, durant toute journée, hein, tout ça que vous touchez, tout ça que vous manyez, depuis c'est un bagay qui pas la caillou, ou touchez, quel que soit surface, non, continuer laver main ou, sanitize main ou, et puis, pas de offense. Quel que soit moun qui pas fait partie de maison, camper loin. Gardez distance ou à quel que soit moun qui pas fait partie de caillou. Pas de offense. Si yon moun senti que l'offense est job pal. Pandémie a fait ravage. Et mes amis, nous avons marché vers la fin de ce programme. Mais juste avant que nous capables d'entrer dans petit bout de louange et pour que nous capables présenter prière d'intercession côté que nous pourrons intercéder pour frère nous, pour sœur nous, pour tout le monde, eh ben n'a pas oublié que nous a médité sur les paraboles de Jésus, yo au nombre de 39. 39 paraboles que Jésus-Christ te baille. Et je dis, hein, pour journée dimanche, non, 1er août, nous arrivons dans la troisième parabole, non, qui est intitulée La pièce de drap neuf à un vieil habit. Nous joignons ça, tous les trois évangélistes, ils ont présenté Matthieu chapitre 9, 17, Marc chapitre 2, 22, et Luc chapitre 5, 37 et 38. Mais sa parabole n'en dit, Jésus-Christ prend parole et dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. La même, ou pas prend yon vêtement qui neuf, et puis ou prend yon morceau de toile qui pourri pour que ou capable couper rad neuf nan et puis ou piecer avec yon morceau toile qui pourri.
Sans quoi, l'ap gâté, l'ap déchiré tout radnan, radnan pa bien valeur. On ne met pas une pièce de drap neuf à un vieil habit. Ça veut dire, amis, ou même qui a marché avec, bon, avec Jésus. Donc, ou même c'est une nouvelle créature courrier. Ça veut dire que ou pas qu'à mélanger à ça que pas ça. C'est ça que Jésus-Christ voulait dire dans la parabole, non? Ou pas qu'à mélanger à malpropreté. Ou pas qu'à mélanger à bagay qui est impur. Ou pas qu'à mélanger à tout. Ou pas qu'à entrer dans toute sauce. On ne met pas un drap neuf à un vieil habit. Car lorsqu'on mette le comme ça, l'a déchiré, l'a fait vêtement habillant, perdu drap neuf, l'a perdu valeur. C'est même gens, ou pas qu'à prendre un orange qui gâté et pour mettre le mitan un paquet de bons oranges. Eh bien, l'a gâté tout reste. Eh bien, que vous capable intelligent pour comprendre parole grand maintenant. À bon entendeur, salut. Et maintenant, mes bien-aimés, pour nous faire un petit bout de louange pour le Seigneur, nous vous invitons à chanter au numéro 157 des hymnes de louange. Bénissons Dieu par nos cantiques. Exaltons-le de même cœur. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son brave vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître. Nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui seul doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble, donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités. Au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Seigneur. Ce jour le monde nous voit, nous égayerons notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Sois au Dieu notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Chantons, louons notre Dieu rédempteur. Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion.
lui qui a fait les cieux et la terre. Et maintenant, mesdames et messieurs, ou même qui branchez sur réseau yo, en cette matinée du dimanche 1er août, eh bien, à l'aurore du jour, ou vin nan pied maintenant, bah, qu'on ait qui quantité demande que vous gagnez, que vous présentez à bon Dieu. Bah, besoin qui quantité problème que vous faire face. Peut-être un pile problème que vous dormi avec vous ou réveillé avec vous matin. Cependant, je viens pour me rassurer que le Seigneur est toujours là. Il toujours comprend nous. Il toujours tendez cri ou. Il toujours ouais souffrance ou yo. Ou besoin pour que vous capable de faire confiance. Faire confiance en même. Et remettre semaine à Jésus. Et vous va ouais que lui avec vous. Et il va épargner vous de un pile danger. En pile danger, en pile malheur que ennemi a tant devant, après tant sous tout, mais au nom de Jésus, victoire déjà gagnée, victoire déjà assurée. Gen en pile monde, Satan déjà fait plan pour que yo pa wè semaine. Non? En pile monde, Satan déjà fait plan pour que yo pa wè journée. Non? Cependant, pas bay tête au problème. Jésus nous, sauveur nous. L'a campé en double croix, en triple croix, pour que le capable défend nous. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Prions le Seigneur. Ô Éternel, Dieu des cieux, roi des rois, Créateur et Maître de l'univers, c'est avec confiance en notre Dieu, c'est avec joie que nous présentons devant ton trône de grâce en cette matinée pour nous dire merci pour ta bonté, merci pour le mouvement et l'être, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, merci pour le pardon de nos péchés. Oh, en ce matin, ô notre Père, nous venons devant avec confiance, avec assurance, puisque c'est toi qui es notre refuge, c'est toi qui es notre soutien, notre asile, notre bon berger, notre pourvoyeur, notre divin médecin, notre boussole, notre bannière, notre défenseur. Tu es tout pour nous, ô notre Dieu. Avec toi, nous n'avons pas rien que nous avons besoin encore. Parce que toute bagaille pour nous. En ce matin, ô notre Dieu, nous venons devant pour que nous capables de dire merci pour le pardon de nos péchés. Merci parce que nous avons un privilège pour que nous capables de venir en pied. Merci parce que nous avons le désir pour que nous capables de chercher présence. Dans le moment, ça me lève tout petit tuyau qui branché sur le réseau Sayo. Qui branchait à l'heure de la délivrance. Yo vin nan pyo, papa, pour que yo capable remettre toute semaine nan, remettre toute journée an. N'a pas d'autant prie, Dieu des cieux, ou même qui kon répond à besoin petit ou yo, ou même qui dit lorsque les malheureux crient, autant de ou répond autant voulu, moi levé devant ou. Oh, gan pile nan yo, Seigneur, yo vini avec un pile problème. Gampil nan yo papa, yo ap soufri nan kò yo, yo malade. Yo ap pran medikaman apre medikaman, mleve yo devan ou. Piske Seigneur, se ou sèl ki kapab geri yo, yon sèl atouchman kò fè, e yo kapab trouve gerizon yo, sante yo kapab restore pou gloa nan, Seigneur. Mleve yo devan ou. Ou fan pil devan nou deja, nou tan de témoyaj yo chak semen, Seigneur. Ou fè an pil gerizon nan mitan nou.
Ou fan pil mirak nan mitan nou. Ou fan pil mervey nan mitan nou. Se pa nan liv nan gran liv nan selman nou li dan le pase mervey ko te fè. Men sou zye nou jodi an, nou kontemple mervey ko fè nan mitan nou. Paske ou pa chanje. Tu es le même d'hier, aujourd'hui et demain. Ou continue à faire miracle dans mitan nou. Nous disons merci pour ça. Ou dans moment ça, Père, nous pas jamais suspendre lever le pays d'Haïti devant. Ou est-ce qu'a passé dans le pays, papa? N'a pas d'autant pris frappe et pio pour le pays. On paquette moun tête yo perdu tête yo, papa. On paquette moun perdu tête yo. Yo pa konn ki sa pou yo fè ankòr. N'ap mande ou tan pri ou menm ki è le grand je suis. Ou menm ki pa gen rien ko pa ka renversé. N'ap mande ou tan pri, fè mèvèy, fè mirak nan mitan pèp pou papa. Tandis kon pakèt moun Seigneur, yo pran poz yo profèt, yo pran poz se ou menm ki ba yo od. Yo pran pas se yo même, c'est ou même qui voye yo continue à tromper peuple nan. Yo continue à tromper peuple nan. N'ap mande autant pri, ou même qui défense peuple nan. Ou même seul qui capable restaurer paysan, ou même seul qui capable transformer pays d'Haïti. N'ap mande aux gens qu'ou vleyan, ça pour effacer yo. Pour mettre l'ordre. Gon paquet moun Seigneur qui a servou nan paysan. Y a servou avec tout cœur yo. Yo nan misère. Yo nan tout qualité problème. M'ap mande ou papa, gen pitié pour peuple nan. Oh nan tan passé yo. Te kont gran pil peuple qui a lutté contre petit ou contre peuple. Et mon te ba ou la paix. Ou te rétabli la paix. N'ap mande ou papa ou ka fè menm jan tou pou Haïti. Sauve peyan. Délivre peyan. Libere peyan. Et cela pou gloa nan. Oh nan moment sa Père. Gen moun. Gen petit ou sou rezo an papa. Pou li menm se te dernye soare ke l tap pase yè soir. Si selman soare an pa de bon pou li. Li malade, gen an pil Seigneur ki affecté à part le Covid. Yo passe une mauvaise nuit. M'a mande autant pri jete un regard de pitié sou yo. Fè un miracle pou yo. Restaurer santé yo papa pour gloire non. Oh gen an moun Seigneur nan moment ça ki sou route pou la travail. Mais Satan déclaré que li pap entre dans travail nan. Satan déclaré pour que le capable bressan moun sa jodi an. Au nom du sang versé de Jésus de Nazareth, au nom du sang versé de Jésus de Nazareth ou même qui touan, m'ap déclaré victoire nan nom pour moun sa. M'ap déclaré victoire, délivrance pour moun sa. C'est pour ange Pè éternel yo al kampe an kwa, double kwa, pou bay moun sa la vi. Parce que ça, Satan dit, c'est pas ça Jésus dit. Le Satan dit non, Jésus dit oui. Oh, n'ap mande délivran Seigneur pour peuple. Oh, en ce moment, Père, en cette matinée, nous vle mande yon miracle pour Onal Saint-Just ak famini. Yon miracle pour Maurice Duterval ak famini, yon miracle pour Élise Noël ak famini, yon miracle pour Kerline Philogène. Yon miracle pour Ali Jean-Baptiste et famille, yon miracle pour Jeffrey, yon miracle pour Dieumen Belfort et famille. Yon miracle pour Marie Prague et famille, yon miracle pour Marie Lode, yon miracle pour Max André Ness et famille. Yon miracle pour Whitney Emile et famille, yon miracle pour Lucita Dorelli et famille. Yon miracle pour Marthe Auguste et famille, yon miracle pour la petite Samuel, yon miracle pour Rosanna Liancin et famille, yon miracle pour Marie-Christine, yon miracle pour Jean Lestin, yon miracle pour Joël, yon miracle pour Joseph Kaimit et famille, yon miracle pour Emmanuel Etienne et famille, yon miracle pour Antenor Médor et famille, yon miracle pour Ludy Saint-Fort et famille, yon miracle pour Patricia Gilles et famille, yon miracle pour Nandi et famille, yon miracle pour Mona et famille, yon miracle pour Daphné Kwasi et famille, yon miracle pour Awol Kwasi.
Yon miracle pour Darlene Paul et famille. Yon miracle pour Brisson Pirono. Yon miracle pour Adriana McLennan. Yon miracle pour Eden Barrett. Yon miracle pour Judah Jackson. Yon miracle pour Mark Belfort. Yon miracle pour Onister Meus. Yon miracle pour Vladimir Rassius. Yon miracle pour Pastor Jean Charles. Yon miracle pour Albert Amajus et famille. Yon miracle pour Serette Prévillon. Yon miracle pour Katiana et famille. Yon miracle pour Serette Colin et famille. Yon miracle pour la famille McDonald. Yon miracle pour la famille Ulysse. Yon miracle pour la famille Saint-Ulysse. Yon miracle pour la famille Philostin. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour la famille Montina. Yon miracle pour Yvette Duterval. Yon miracle pour Ozen Jacques et famille. Yon miracle pour Yvette Garçon et famille. Yon miracle pour Marcel Aurélie. Yon miracle pour Nadia Augustin. Yon miracle pour Marcel Augustin. Yon miracle pour Beth Saïda Massena. Yon miracle pour Martine Saint-Just. Yon miracle pour Sherline Sylvain et famille. Yon miracle pour Kellen Benoît et famille. Yon miracle pour Jeanne Destin et famille. Yon miracle pour Eriline Metellus et famille. Yon miracle pour une autre guerrier et famille. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour Yonel Dorélie. Yon miracle pour Lionel Joseph et famille. Yon miracle pour Marc Elie et famille. Yon miracle pour Linda Duval. Yon miracle pour Anicia Desrosiers. Yon miracle pour Carlo Jérôme. Yon miracle pour Ginette Basile et famille. Yon miracle pour Andy Metellus. Yon miracle pour Milan Saint-Cyr. Yon miracle pour Niveline Parisien. Yon miracle pour Sidoine Géraud. Yon miracle pour Roberto Osier. Yon miracle pour Pasteur Jimmy Jean-Baptiste et famille. Yon miracle pour Jessica Latonelle. Yon miracle pour Rose Docteur. Yon miracle pour Jonathan Lebon. Yon miracle pour Marie Tony. Yon miracle pour Annie Paris, yon miracle pour Mia. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour Willan Devra et famille. Yon miracle pour Marie-Claire Pierre et famille. Yon miracle pour Guerlain Ulysse et famille. Yon miracle pour Nemaya Fontaine. Yon miracle pour Benoît Derifon et famille. Yon miracle pour Marilyn Castin. Yon miracle pour Michael Placide. Yon miracle pour Olnac Cajus. Yon miracle pour Juline Placide. Yon miracle pour Mackenzie. Yon miracle pour Elicia Valérie. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour Elijah. Yon miracle pour Benito Lui. Yon miracle pour Joshua, yon miracle pour Berlin Joseph et famille. Yon miracle pour la famille Petit Homme, yon miracle pour Valentine, yon miracle pour Jacqueline Exumé. Yon miracle pour Betty Jordan, yon miracle pour la famille Jordan. Yon miracle pour la famille François. Yon miracle pour Yoline Etienne, yon miracle pour Adèle Etienne. Yon miracle pour Amani Etienne, yon miracle pour Christina Etienne. Yon miracle pour Marie Bojla. Yon miracle pour Agnès Pirono. Yon miracle pour Marie-Josette Pirono. Yon miracle pour Jolie Saint-Vilus et famille. Yon miracle pour Cynthia Petit Homme. Yon miracle pour Marie-Kelly Joseph et famille. Yon miracle pour Gerlin Absalon et famille. Yon miracle pour la famille Joseph. Yon miracle pour Marley. Yon miracle pour la sœur Amand. Yon miracle pour Janelle Dulhomme. Yon miracle pour Marie-André. Yon miracle pour Wisdit Civil. Yon miracle pour Yacine Jenkins. Yon miracle pour Edna Majus. Yon miracle pour Wilde Pacombe. Yon miracle pour Jules Nakajus. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour Martine Limage. Yon miracle pour Michel Dubus, Michel Dubuisson et famille. Yon miracle pour Judith Phileus et famille. Yon miracle pour Myrlène Cajus et famille. Yon miracle pour Magali Etienne. Yon miracle pour Claude Etienne. Yon miracle pour Ankens. Yon miracle pour Franck Simon. Yon miracle pour Fernel Valérie. Yon miracle pour Nicole Exil. Yon miracle pour Anthony. Yon miracle pour Frances Excellent. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour Kerline Telusma et famille. Yon miracle pour Sam Eli et famille. Yon miracle pour la famille Salomon. Yon miracle pour Roselyne. Yon miracle pour Judnel Myrtil. Yon miracle pour McDaniel Myrtil. Yon miracle pour Gaël Myrtil. Yon miracle pour Endel Pierre. Yon miracle pour Udel Nicolas Pierre. Yon miracle pour Den Pierre. Yon miracle pour Elvani Pierre, lui et famille. Yon miracle pour Kela François. Yon miracle pour Marie-Thérèse Faustin. Yon miracle pour la famille Félix. Yon miracle pour Dadelicha Félix. Yon miracle pour Roselyne La Rose. Yon miracle pour Carole Estimé. Yon miracle pour Stéphane Baptiste. Yon miracle pour Naïcha Baptiste. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour Joël Charles. Yon miracle pour Pasteur Joël. Yon miracle pour la famille Mon Premier. Yon miracle pour la famille Osier. Yon miracle pour Neika Louis Washington. Yon miracle pour Stéphane Alphonse. Yon miracle pour Steven Saint-Just. Yon miracle pour Michael Julie Saint-Jean. Yon miracle pour Gary Joseph. Yon miracle pour Pasteur Harry Monval. Yon miracle pour la famille Bellamour. Yon miracle pour Fabiola Bellamour. Yon miracle pour Wasseline Cheron et famille. Yon miracle pour Janine Valérie. Yon miracle pour Hermia Valérie. Yon miracle pour Kempes Prévillon. Yon miracle pour la sœur Adrien. Yon miracle pour Claire Denise Andréville. Yon miracle pour Julien Talusmé. Yon miracle pour la Merci Charles. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour Rosanna Exantus et famille. Yon miracle pour Liliane et famille. Yon miracle pour Jean-Wadner Jean-Baptiste. Yon miracle pour Whitney Syriac. Yon miracle pour Ashlyn Jean-Noël. Yon miracle pour Anitan Syriac. Yon miracle pour la foi Maxi Ferry. Yon miracle pour Rosanne Louis. Yon miracle pour Carline Louis. En ce moment de la délivrance,
N'a pas de miracle pour Myrlène Doris Carr. Yon miracle pour Juan Carlos. Yon miracle pour Widlin Augustin. Yon miracle pour François Dumérand et famille. Yon miracle pour Bachena Dumérand. Yon miracle pour la famille Fleurant. Yon miracle pour Juliana Augustin. Yon miracle pour Staël Lavoisier. Yon miracle pour Fanny Lissib. Yon miracle pour Pasteur Daniel Ménard. Yon miracle pour Lumen d'Or Saint-Ville. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Maxi Vincent. Yon miracle pour Luc Lédix. Yon miracle pour Lémi Bernard. Yon miracle pour Antti Jean-Baptiste. Yon miracle pour le grand Jean-Baptiste. Yon miracle pour Mimo Jérôme et famille. Yon miracle pour Martine Jean et famille. Yon miracle pour Sabine Carrière. Yon miracle pour Bermude Saint-Foy et famille. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour Ile-de-Louise Vital. Yon miracle pour la famille Josapha. Yon miracle pour Elijah Giovanni. Yon miracle pour Elijah Petit Homme. Yon miracle pour Frère Delise. Yon miracle pour Claude Saint-Cloud. Yon miracle pour Myrlène Petit Homme. Yon miracle pour Vedette Horus et famille. Yon miracle pour Gina Baptiste. Yon miracle pour Myrlène Cadet. Yon miracle pour Marcel Gélin. Yon miracle pour la famille Danda. Yon miracle pour la famille Morancy. Yon miracle pour la famille Eloi. Yon miracle pour la famille Ovilmar. Yon miracle pour la famille Saint-Paul. Yon miracle pour la famille Gilles. Yon miracle pour la famille Paul. Yon miracle pour la famille Alexis. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour France Montina. Yon miracle pour Keden Elijah Salomon. Yon miracle pour Lydney Achelus et famille. Yon miracle pour Viviano Vicaris. Yon miracle pour Myriam Vicaris. Yon miracle pour Lucas Vicaris. Yon miracle pour la famille Saint-Fleur. Yon miracle pour la famille Victor. Yon miracle pour Charla Hulette. Yon miracle pour Patricia Raymond. Yon miracle pour James lui. Yon miracle pour Nadège lui. Yon miracle pour Sarah Polena. Yon miracle pour Fanel Garius. Yon miracle pour Maurice Edveril. Yon miracle pour Daphné Jean-Baptiste. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Esther Nicolas. Yon miracle pour Janine Benjamin. Yon miracle pour Myrna Luxeus. Yon miracle pour Nadège Jean-Baptiste. Yon miracle pour Hermine Salomon. Yon miracle pour Tanisha Fizeme et famille. Yon miracle pour Lévi Joseph et famille. Yon miracle pour Nadège Jacques et famille. Yon miracle pour Segan Pluie. Yon miracle pour Tatiana Perevos. Yon miracle pour Nathan La Rose. Yon miracle pour Nadège Sanon, yon miracle pour Jessie Saint-Ville. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Lud Jacques. Yon miracle pour Ketia Desulmé. Yon miracle pour Antoinette Nozil. Yon miracle pour Amanda Nozil. Yon miracle pour Ronaldo Mondésir. Yon miracle pour James Lidojouan. Yon miracle pour Roseland Metellus. Yon miracle pour David Jean-Baptiste. Ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Marie-Lou Jean-Charles. Yon miracle pour Carl-Henri Destin. Yon miracle pour Sandra Odige. Yon miracle pour Verline Julien. Yon miracle pour Dave Desrameaux. Yon miracle pour Fleurette Jean-Paul. Yon miracle pour Julie Joka Monga. Oh, en ce moment de la délivrance, oh notre Dieu, gen pilote qui besoin délivrance. Yon besoin merveille fête pour yon journée, jeudi, dimanche, premier jour, semaine, en 1er août. Gan pil nan yo que Satan li fè konplouan pou ke yo pa wè jounen an. Men pou ke non glorifye, Père Éternel, nan pmande ou pou soufle délivrance nan, soufle mirak nan, afin que tout bouche kapab konfese que c'est toi qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et que yon jou yo kapab apprann que gen yon goup moun ki tap priye pou yo. Et que yon kapab ale kote que non ap invoke pou que yon adore ou, pou que yon servi ou. Oh, nou vle gassurance, oh notre Dieu, kotan dekri nou. Nou vle gassurance ko ap fè merveille pou nou. Voilà pourquoi nou vle di béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu des miracles. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous répond. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous délivre. Béni soit l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous arrivons dans la fin du programme. Nan, nous disons merci parce que au tap suivre l'heure de la délivrance. Si vous sentez que service ça, il fait du bien à famille, il fait du bien à vous-même, continuez à partager numéro 1. Et lorsque vous allez sur Facebook, partagez page non. Et lorsque vous allez sur YouTube, cliquez aimer afin que un pile l'autre monde capable de tomber sur le programme ça. Et mes amis, nous bon rendez-vous à demain matin, 6h, on combat boule
pour un programme pareil. C'est le serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui a payé et dit au revoir et à demain matin pour un programme du même genre. Et maintenant, m'a blessé avec Jessica Latonelle. Quelle assurance, je suis sauvé. Au revoir. Mesdames et messieurs, c'était la voix de Jessica Latonelle dans son interprétation à la croix, plutôt que avec Je suis sauvé, quelle assurance. Donc, c'était Jessica Latonelle. Eh bien, Zamim, à tout le monde qui était branché à l'heure de la délivrance, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission en cette journée, en cette matinée du dimanche 1er août. Et nous souhaitons bonne journée dans le Seigneur et à demain matin pour un programme pareil. Au revoir, pas oublier de mettre un petit masseau, qui est masseau dans la figure et continuer à laver les mains durant toute journée hein, et rester loin, monde qui part en dedans maison. Au revoir.